Bienvenue. Je m'appelle Bruno Guillet et je suis secrétaire général adjoint. Je m'occupe essentiellement des finances. Voilà, je suis dans mon bureau, je suis au deuxième étage. Ce sont des anciennes chambres militaires qui ont été transformées en bureaux. Beaucoup de cartes évidemment de l'Afrique et du Sénégal en particulier. Et également agrémenté d'une vue absolument superbe. Souvent, on pourrait être distrait par les pêcheurs qui viennent pêcher au ras de la côte. Et malheureusement, le travail nous remet tout de suite dans la dure réalité. J'avais un collègue de l'école de comptabilité que je connaissais bien. Il m'avait dit que tu devrais passer le concours du ministère des Affaires étrangères. C'est un petit ministère, mais sympa au niveau de l'ambiance et surtout au niveau du travail diversifié. Et c'est comme ça que, entre autres, j'ai passé le concours du ministère des Affaires étrangères. J'ai eu la chance d'avoir un chef de service qui m'a dit un jour, il m'a dit « Bruno, tu sais, tu devrais demander une mutation à l'étranger en tant que comptable. On manque de comptables confirmés et on a besoin de gens comme toi. » Et ça, quand même, quand on vous dit qu'on a besoin de gens comme toi, c'est quelque chose. Hein. Ça ne paraît pas, mais ça donne quand même un certain enthousiasme quand même. Oui. Le moment du quotidien que j'aime bien, c'est à 13h. Parce qu'à 13h, on dirait que le calme revient dans les bureaux, dans les couloirs, etc. Et très souvent, ça me permet de faire ce que je n'ai pas pu faire dans la matinée. Une note, un certificat administratif compliqué. Ces documents à rédiger nécessitent quand même une certaine tranquillité, quoi. C'est pas vraiment un objet, c'est plutôt une condition de travail et c'est l'ambiance de travail. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai remarqué qu'une bonne ambiance dans un service, le travail se fait tellement plus facilement. Et j'ai toujours consacré quelques minutes à désamorcer un départ de mauvaise ambiance. Quand c'est possible, bien sûr. J'ai effectivement donné pour ce ministère, mais ce ministère, honnêtement, me l'a bien rendu. Ma carrière a été pleine de rebondissements, ce qui m'a amené, évidemment, là où je suis aujourd'hui, pour terminer ma carrière bien remplie.